C'est une initiation en fait pour les enfants qui découvrent un petit peu les balades à poney, ce que c'est de faire du poney. Là on a de la chance, on est dans le parc de Paris, il fait très beau. Les règles de sécurité du coup pour les baptêmes à poney, bon, c'est de toujours rester calme près d'un poney, il ne faut pas crier. Il ne faudra pas passer derrière le poney parce que bon, ça peut arriver, puis y avoir des petits accidents quoi. Les poneys sont des animaux, hein. On n'est pas toujours, on ne sait pas toujours ce qui peut leur passer derrière la tête. Et les règles de sécurité pour les parents plutôt, bah, ce serait de toujours bien tenir son poney à gauche, avec la main droite près du mors en fait de la bouche du poney pour pouvoir bien le diriger. Voilà. Et puis voilà, c'est à partir de 3 ans. Donc à partir de 3 ans, si les enfants sont vraiment petits, il vaut mieux avoir deux adultes, donc un adulte qui reste près du poney, près de l'enfant, pardon, et l'autre qui tient le poney. Du coup, au niveau du matériel de sécurité, donc pour les enfants, on retrouve la bombe, qui est un casque homologué en fait pour l'équitation, donc qui protégera leur petite tête. Après, il est conseillé en général d'avoir des pantalons et puis des chaussures fermées. Parce que bon, voilà, une chute n'est pas. Enfin, ça peut arriver quoi, donc voilà, il vaut mieux être protégé. Il vaut mieux être protégé que guérir, on va dire. Voilà. J'ai une petite fille de 7 ans qui est venue aujourd'hui pour la première fois faire une petite promenade en cheval. Ma fille avait un petit peu peur au départ, elle osait pas, elle voulait pas, et puis on a quand même réussi à lui faire faire un petit tour, et puis après elle en a fait un deuxième. Je suis montée sur un poney et au début ça faisait bizarre, mais après j'avais envie de le refaire. Et j'ai fait, la première fois c'était 1 heure et la deuxième fois aussi.